voici comment les noirs. Bonjour Nora. Bonjour la reine Pélagie. Vous avez noé dehors là-haut. Voilà, je pense que c'est bon. Il y a un beau soleil ici là. Oh my God. Ne vous enjaillez pas trop sur bonne année et tout ça là. Écoutez, restons concentrés. Bonjour. Vous savez que je fais mes directs toujours pour vous remettre sur le... Je veux vous remettre sur les bonnes pensées. Parce que quand tu penses bien, tu vas bien agir. Quand tu agis bien, tu vas avoir tes bénédictions. Donc, si vous êtes dans la ville de Douala ou Yaoundé et vous avez des témoignages, écoutez-moi bien. Je vais faire une cérémonie, ce sera à confirmer demain. Je vais faire une cérémonie physique à Douala, c'est-à-dire du 31 au 1er. Normalement, on va s'asseoir pour manger. Mais je voudrais que ce soit une soirée aussi où vous partagez votre expérience. Beaucoup d'entre vous, vous avez commencé vos business. J'ai au moins ces trois femmes, quand je pense à trois qui ont commencé à lancer leur activité. Beaucoup, vous avez repris vos activités. C'est vous que je cherche. Donc, envoyez-moi votre témoignage si vous êtes à distance. Si vous êtes à Douala, je vous invite à venir. Mais je vous ai dit, je confirmerai demain. Donc, on peut dire qu'il y a 80% de chances que ça se passe. Je veux qu'on ait des bases claires pour commencer 2023. J'ai beaucoup enseigné sur la page ici, beaucoup. Vous savez que je passe des journées à préparer du contenu, à faire des vidéos, tout ça pour que vous soyez conscient. Bonjour, bonjour, bonjour. Donc, envoyez vos témoignages en inbox sur la page. Donc, je donne d'abord l'avertissement pour les scammers. Il y a beaucoup de scammers qui ont mis une photo de profil qui ressemble à la mienne et qui vont vous dire, vont vous approcher, dire bonjour, tu me connais. Que je suis la lumière. Moi, je vais jamais vous écrire. Ça, c'est pour Facebook. Même si vous voyez le nom ressemble à The Gift Digger Academy, sachez que ce n'est pas moi. Je ne vous écrirai pas. La personne vous dit, je vais vous envoyer les produits. Je ne suis pas moi là. Ce n'est pas moi. Ok. Maintenant, si vous voulez vous faire scammer, ce n'est pas un problème. Mais si vous voulez qu'on mange votre argent, allez-y, donnez-leur votre argent. Ce n'est pas un souci. Ok. Donc, si vous avez un témoignage... Parce que je sais qu'il y en a qui me suivent depuis un mois. D'autres, vous me suivez depuis 8 mois. J'étais avec une dame l'autre jour. Elle me racontait comment c'est... Elle a des petits trucs de sa vie qui sont en train de changer. Donc, genre... Elle n'en revient pas, en fait. Quand elle regarde sa vie à cette fin d'année-ci, elle se rend compte qu'il y a tellement de choses qui ont changé dans sa vie. Parfois, c'est facile de ne pas compter ses bénédictions et d'oublier. Peut-être que tu arrives à te lever pour prier maintenant, alors qu'avant tu ne priais pas. Tu vis seul parce que ton homme est parti.
t'a abandonné, est parti. Dans les vidéos que je fais durant l'année, je vous donne, j'ouvre beaucoup de conscience pour que vous ne soyez plus bête. Idriss, je m'en fous si tes choses ne marchent pas. J'ai au moins 300 vidéos sur cette page. Ça, c'est sur Facebook. Et ça, je vous ai dit, je ne suis pas dans le genre de direct que vous venez. Je vous dis, wow, telle personne te déteste. Oh, c'est ça que tu cherches. Je t'en prie, prends tes pieds, tu pars. Donc, celui qui sait, tous ceux qui me suivent, je vous ai déjà dit, je veux travailler avec les gens qui eux-mêmes veulent travailler et les gens qui ont déjà commencé à travailler. Il y en a parmi vous, vous avez travaillé, vous êtes des travailleurs, vous êtes des bosseurs, mais vous ne savez pas pourquoi vos choses ne marchent pas. Donc, envoyez vos témoignages, voyez depuis combien de mois vous me suivez et ce qui a déjà changé dans votre vie. J'ai un monsieur, il m'a contacté de la Suisse. Il a écouté mes vidéos pendant un bout. Il a commencé à faire son lavage au sel. On n'a pas eu trop de peine à faire la consultation. C'est-à-dire, j'ai pu lui parler dans les jours qui venaient. Et vous savez, il y a beaucoup d'entre vous, vous êtes des rois. Et vous êtes censé même déjà écrire des livres, des choses comme ça. Il y en a, vous êtes en Europe, là-bas, vous avez un amour pour la culture africaine. Et votre mission, c'est même de restaurer le patrimoine africain. Faire des recherches. Et venir inspirer à nouveau vos compatriotes. Et il y avait un truc que je remarquais, c'est que l'homme avait beaucoup d'attaques sur sa tête. Quand on bloque ton intelligence, ou encore quand on bloque, bonjour Monica Basson, ou encore beaucoup, bon, quand on bloque, je ne sais pas comment dire, c'est l'une des stratégies que l'ennemi utilise beaucoup. Par exemple, une dame, j'ai travaillé sur une dame l'autre jour. L'esprit qui l'a dérangé disait que il est dans sa tête, donc sur le cul chevelu comme ça. Et il a empêché qu'elle ne fasse le doctorat. Tu vois, j'ai des filles qui sont tellement assidues et fréquentes. Il dit que non, elle ne va pas faire le doctorat. Elle ne va plus fréquenter. Moi, bon, pas le mariage qu'il avait aussi bloqué, bloqué ses finances, cette partie pour la tête là. Donc, il a reçu une huile. J'appelle ça l'huile de blindage. Je lui ai dit, mets l'huile de blindage fidèlement chaque jour sur ta tête. Sur ta tête. Il a reçu lui, ça fait peut-être un mois. Bonjour, bonjour Antonio, bonjour. L'autre jour, ça fait deux jours, il me fait un message, il me dit, j'ai rêvé qu'il y avait une peau, il y avait des peaux mortes qui sortaient, donc que la peau de ma tête et de mon visage quittaient. En français, on dit que je suis en train de muer, que je muais. Je dis ok. Tu te rappelles que quand je t'ai regardé au départ, j'ai dit, il y a plein de blocages qu'on a mis sur ta tête, sur tes idées. Parfois, quand tu fais ton travail, Dieu va te montrer. Il y en a parmi vous, des rêves alors que les gens me disent ces derniers jours. Tellement de rêves. Tellement de rêves. Il y a un autre. Attendez, j'essaie un peu de repérer. Ça, il poste ça sur la page ici. Là, il y a la section de témoignages. Donc, c'est généralement là-bas qu'il poste tout ça. Il y a eu qui? Il y a cette dame avant-hier dont le fils était parti depuis 6 mois. Il ne voulait pas revenir à la maison et il ne parlait pas avec sa mère. On a travaillé. L'autre jour, l'enfant. Lui écrit, avant, non, ça fait 3 jours. Il lui écrit, il dit, est-ce que je peux venir à la maison? Il arrive, il monte dans sa chambre, chambre qu'il a abandonnée et qui est restée vide depuis qu'il est parti. Et là, il s'est couché, il a dormi pendant 1 heure dans sa chambre. Donc, il y a aussi beaucoup d'entre vous, vous revenez de très loin. C'est-à-dire, tu ne sais même pas que tu es bloqué. Facebook, je ne sais pas ce qui se passe. Peut-être le direct ne sera pas très long aujourd'hui. Michel?
Michel! Vous allez attendre, je vais chercher. Je vois pourquoi le chargeur s'il ne marche pas. Si ça marche pas, je pourrais pas charger. Can you bring me the other head? This head, please. I need to charge my phone. And there's a power bank in my bag, I think. White power bank. This Louis Vuitton here. Pick it up for me. Still not working, so it's a cable. Can you bring me your cable, please? Bon, le câble de mon téléphone décide de pas marcher. Si tu oublies tes rêves, fais seulement ton travail spirituel. Vraiment, c'est que vous êtes très impatient aussi. C'est ça en fait, ça m'énerve même souvent. Vous êtes très impatient. Thank you. On va voir si le câble se va charger. Ok. Thank you. Come and take this one. Bon. Dieu peut rattraper au moins le truc là, non? Ça c'était l'embuscade, ça. Mon chargeur, mon power bank, tout, rien ne marche. C'est bizarre. Bon, je peux continuer. Vous devez comprendre que tout ce que vous commencez comme projet est attaqué. Écoutez-moi bien. Tu voyages, tu pars en Europe. Comme tu viens d'atterrir en Europe là, ne te dérange pas. On est en train d'attaquer ton arrivée en Europe. Comme tu viens d'ouvrir le magasin là, le plan des gens sur toi, c'est que dans 6 mois maximum, tu fermes le magasin là. Et c'est que parfois on se dit, ah, qui me déteste? Moi, je suis gentil avec tout le monde. C'est même les gens comme toi, c'est les gibiers comme toi là qu'on cherche. Tu es le genre de gibier que les eux ils cherchent. Les over gentils. Antonio, tu as le genre de gars que tu veux tout pour rien. C'est ça aussi. Voilà, je crois que ça c'est une mentalité que les gens qui me suivent ont changé un peu dans eux cette année. La mentalité de l'église vous a appris que tu viens à l'église, tu sors peut-être tes 50 qu'il y a dans ta poche ou 200, tu donnes ton sujet de prière, tu manges la communion des gens gratuitement, après tu sors, tu rentres et tu espères que tu seras béni, tu espères. Tout se paye. C'est pour ça que quand tu pars dans le supermarché, pour que tu sortes avec un produit, tu dois donner l'argent du produit. Rubin, est-ce qu'il veut la consultation? Pour que je te consulte, tu dois d'abord commencer par te laver avec le sel. Si tu te laves pas avec le sel, oublie. Fais au moins 3 jours de lavage au sel, matin et soir. Et tu me contactes, tu me payes 110 $. Tu as compris? 110 $. Je ne prends plus la consultation normale. Quand vous venez en normal, là, la liste d'attente est trop énorme. Trois jours de lavage au sel et puis tu me contactes. Il y a cette mentalité qu'on vous a appris que vous pouvez avoir tout pour rien. C'est absurde. On te met dans une société où tu payes le loyer. Tu vis dans la maison que quand tu payes. Et toute situation où tu restes, tu ne payes pas, mais tu manges. Vous qui partez dormir chez les gens, vous mangez, vous ne dormez rien là.
Tu es ta soeur depuis 3 ans. Tu es ta soeur depuis 3 ans. Tu pars là-bas, on mange ton cerveau, on suce ton étoile. C'est toi-même qui as cherché. Tu veux comprendre? Parce que tu veux avoir tout pour rien. Tu manges dans la main de quelqu'un tous les jours. Tu donnes dans la chambre de la personne. Tu ne payes pas le loyer. Après, tu vas marcher galantement. Les choses vont avancer. Les choses vont avancer. C'est les portes que vous ouvrez pour qu'on vous finisse. Christiane, je vous demande de faire des messages inbox avec votre témoignage. Voilà Christiane qui dit que le lavage au sel avec les urines est merveilleux. La patience est une vertu. Mes rêves sont très clairs aujourd'hui. Ne pas vous aimer ça. Non, Mackenzie, c'est seulement la consultation, maman. Oh, you are. Peut-être vous pensez que je suis l'une de vos tiktokeuses que vous venez, vous me voyez cela. Pour me parler, je demande 5 euros. Non, mamie. Tu as compris. Parfois, tu payes même 110 dollars, là, tu ne me parles même pas. Je te rembourse même encore ton argent après. Et tu as compris, maman. Les inbox de TikTok sont trop pleins, vraiment. Il y a WhatsApp, il y a le lien de WhatsApp là-bas. Même WhatsApp, c'est plein, mais vraiment, parfois, WhatsApp, je réponds un peu. Mais TikTok, c'est trop. TikTok, c'est beaucoup. J'ai mis le lien de WhatsApp sur la page de TikTok. Allez regarder là-bas. Pour le Gabon, je suis à Libreville pour quelques jours encore. Le Gabon, le numéro de Libreville, c'est le 07. Donc 074 18 00 80. Les numéros du Cameroun, c'est sur la page Facebook. Donc ne cherchez pas que les arnaqueurs viennent vous écrire en inbox que bonjour, je suis la reine Jocelyne, tu connais qui je suis. Que tu sais qui je suis. Antonio, je t'ai répondu, tu n'as pas compris. Moi, je parle toujours en parabole. Je dis que tu fais partie des gens qui veulent tout recevoir pour rien. Va sur ma page TikTok, j'ai mis des vidéos là-bas. Tu vas dépenser des mégas pour regarder ce que j'ai mis. Tu as compris, papa? J'ai mis plein de vidéos sur TikTok. Va là-bas, tu regardes. Mais si tu veux venir prendre mes 2 minutes dans le direct pour que tu dises ça, no way. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet de ce que je voulais dire aujourd'hui. Si vous m'avez écrit une fois, écrivez encore. Il y a des gens qui m'écrivent même pendant 2 semaines avant que je réponde. que vous allez entrer là. Ma consultation, tu donnes 110 dollars. Et après, je vais te donner une ligne de traitement qui peut aller sur 6 mois. De 6 mois. Donc je vais te dire que tu peux en 6 mois tu peux dépenser même 2 millions, même 3 millions. Voilà. Bon, je rentre maintenant à mon sujet 2023, comme je disais, dans lequel vous êtes en train de partir là. Il y a les choses que vous devez. Vous êtes très indiscipliné. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, vous n'avancez pas. Vous prenez le travail spirituel comme les... Ah, c'est le spirituel seulement, non. Vous ne savez pas que tout dans votre vie commence dans le spirituel. Donc, dans la nuit du 31 au 1er, on sera en direct. Donc, j'aimerais bien que vous puissiez vous connecter. Ceux qui seront dans la ville de Douala, vous allez venir physiquement. Je confirmerai ceci demain. Je vais faire une affiche que je vais vous envoyer demain. On va planifier 2023. 2023 ne doit pas être une année comme les autres. Premièrement, tu vas te décider que côté spirituel, je vais me discipliner. Je vais m'organiser. Vous savez que sur ma page, je ne parle pas seulement de spiritualité. Je parle d'organisation des finances. Les dépenses non nécessaires que vous faites là. Tu veux qu'on te voie, tu peux acheter la perruque, tu mets. Tu veux qu'on te voie, tu pars, tu achètes des habits, tu sais. Alors que tu n'as même pas un salaire mensuel fixe. Dans les 10-20 premières années de ta vie,
Tout ce que tu dois faire, investir, commencer plusieurs sources de revenus, lancer plusieurs activités. Ça ne va pas marcher tout d'un coup. Il y a la période d'incubation. Moi, j'appelle ça même la période de test. Parce que tout ce que tu vas faire ne va pas marcher. Et puis, il y a la période où tu vas maintenant, tu vas développer la persévérance. Et dans le tas, tu es en train d'apprendre. Donc, peut-être 2023, c'est votre année de où tu es à 75% de téléchargement. C'est-à-dire, tu vois derrière le bout du tunnel. Bonjour, fleur d'été. Tu dois décider que ce que je n'ai pas, il y en a parmi vous, vous avez commencé dans le passé, vous avez laissé. Vous avez commencé, vous avez laissé. Vous avez commencé, vous avez laissé. Décide-toi qu'en 2023, si je serai consistant. Certains d'entre vous, c'est même pas qu'on a bloqué ton business, c'est seulement qu'on a fait dans ton corps de telle façon que tu commences et que tu laisses seulement. Tu commences, tu laisses. Tu commences, tu laisses. Il suffit juste que l'année-ci, j'ai dit lavez vos pipis, lavez vos selles, je vais en parler dans quelques instants. Que tu te décides. Il pleut, il neige. Une fille m'envoie un témoignage, elle me dit que elle a acheté un kit de déblocage. Parce que quand tu fais la consultation, je vends les kits, il y a aussi les offrandes que tu vas faire, il y a les sacrifices que je vais faire sur toi. Il y a beaucoup de travaux que je fais. On dit que c'est un travail de 6 mois. Ça veut dire que par mois, tu peux faire 2 trucs. Pendant que quotidiennement, tu fais ta part de tout là-bas. Tu achètes des produits que tu utilises là-bas au quotidien. Donc, elle achète un kit de déblocage plus. Comme ça que j'appelle ça. Le premier jour qu'elle commence à faire. Non, c'est un garçon. Le premier jour, c'est un gars qui a peut-être un kiosque où il top up les téléphones. Là, il fait les recharges. Le premier jour, merci d'avoir partagé ma vidéo. Merci à ceux qui ont partagé. Le premier jour, il fait le kit. Une femme vient dans son rêve. Elle dit, tes trucs que tu fais là, ça ne va pas marcher. Ton travail que tu as commencé là, ça ne va pas marcher, tu vas voir. Et il dit que dans la journée, la femme là est venue pour mettre le crédit dans son téléphone. Le même soir de cette journée, c'est-à-dire vers 18h, elle le bip, il appelle après, il dit, ah non, je me suis trompé de numéro. Et il la voit dans son rêve la nuit. Elle vient le décourager. Parfois, tu es dans ton quartier, comme ça, tu fais ta chose. Tu as un grand maître sorcier quelque part là-bas qui est sur toi. Après, il se réveille. Il part dans la chambre dormir. Après avoir fait le rêve là au salon, il se lève. Il va pisser. Il va dormir dans la chambre. Dans le deuxième rêve, il rêve, il voit comment une femme lui dit, voilà, moi, je divorce avec toi. Je pars. Elle se fâche. Vous êtes là parfois comme ça, hein? Qu'une entité, quelqu'un s'est assis sur votre vie. Toi, tu sais que là où je suis là, ma vie ne va pas. Tu ne sais même pas quoi faire. Tu ne sais pas par où commencer. Tu n'essaies pas ta propre force, tu tournes en rond. Tu n'essaies pas ta propre. Tu sais qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose. Chaque année, ça fait 10 ans que je suis ici en Europe, mais voilà. Tu cotises un peu d'argent comme ça là. Tu as cotisé 2200 euros. Un problème de 2000 euros va venir en décembre aussi. Ça va prendre tout ton argent. Janvier, tu as encore la case départ. Heureusement, Dieu merci que tu as même la positivité. Donc, tu n'abandonnes pas. L'autre me dit qu'elle dort, elle rêve. Elle est en train de faire son travail spirituel aussi. Elle voit comment elle est dans l'eau. Chargeur ne charge pas. Oh my god. Le direct ne va pas durer aujourd'hui vraiment. Je ne sais pas quel démon est en train de vous prêter d'attaquer ce direct. I don't know which demon is attacking my direct, vraiment. Donc elle va acheter un autre chargeur. Et puis on va se parler plus tard. On fera ça plus tard. Mmh.
Comme au Gabon, les gens n'ouvrent qu'à 9h. Les Gabonais m'ont déjà gagné. 9h, c'est là qu'ils ouvrent. Bonjour TikTok. Tous mes deux téléphones sont à 5%. Et donc, vraiment, mon chargeur s'est gâté la nuit, je ne savais pas. Donc, la dame dit que dans le rêve, elle voit comment elle se noyer. Un crocodile est en train de l'attaquer. Et un monsieur en blanc vient. Il la sort de l'eau. Elle-même prend le couteau, elle donne au monsieur en blanc. Il a découpé le crocodile avec. Je dis que c'est ton ange qui t'a montré. Le Seigneur t'a montré comment ton ange est en train de. Que le travail que tu es en train de faire, là, comment c'est en train de marcher. Quand vous allez commencer à vous laver avec le sel, donc si tu m'écoutes, je vais bientôt arrêter le direct. Donc je vais refaire notre direct dans la journée. Quand tu commences ton travail spirituel, c'est comme si tous les petits blocages de chaque jour là qui s'accumulent sur toi, ça fait que tu as la paresse de prier, tu as la paresse de partir acheter ton. Donc tu vois, tu as la paresse. Tu vois même tout dans le rêve, tu te réveilles, on te dit écris, tu n'écris pas. Je ne sais pas pourquoi. Alors que c'est le détail que tu as écrit là qui va t'aider. Quand tu commences d'abord, première chose, peut-être que vous m'écoutez, vous ne vous êtes pas encore lavé, non. En te lavant dans 30 minutes là, prends le sel, tu mets dans l'eau. Tu lis le psaume 35, 91. Tu te laves avec l'eau là. Tu te laves avec. Matin et soir. Les astuces que je vous donne, je vous dis que 80% de mes astuces, tu n'as pas besoin de me donner l'argent. Pas seulement fait. Va seulement faire. Après ton bain de sel, tu es allé te coucher, tu es arrivé d'être en guerre. Quand tu rêves de la guerre, ça veut dire que tu es sous attaque spirituelle. Tu es sous attaque spirituelle. Ok, bon, TikTok. Votre téléphone de TikTok n'a pas de batterie. Pour Facebook, il y a encore 2% de batterie. On va voir ce que Facebook va donner. Allez sur mon Facebook, regardez la vidéo, s'il vous plaît. Sur Facebook, c'est The Give Giga Academy. C'est que quand le nom est écrit ici, les autres peuvent voir. Maintenant, j'ai parlé aussi du bain d'urine. Le bain d'urine, après le bain de sel, quand tu as commencé à fidèlement faire ton bain de sel, c'est l'autre dimension. Il y a des personnes qui font ça tous les jours. Tu te réveilles le matin. Il y a deux options. Soit tu te réveilles à 3 heures, tu pisses, tu te laves avec. Tu mets le sel dedans. Si tu as le donne-moi tout, ou bien le parfum exterminator, tu mets dedans. Mais je vous ai cautionné que le parfum exterminator, on n'utilise ça qu'une fois. Tu as une situation, tu utilises. Après là, tu peux avoir un mois avant d'utiliser. Donc tu mélanges le sel avec l'urine. Tu lis le psaume 35 dessus. Tu peux avoir quelque chose de particulier que tu demandes. Seigneur, comment mon business aujourd'hui marche? Si quelqu'un me doit de l'argent qui me remet, si quelqu'un m'a promis l'argent qui me donne, telle chose que je voulais, j'appelle mon argent aujourd'hui, tout l'argent que tu as prévu pour moi, Seigneur, donne-moi. La maison, c'est que le crédit bancaire que j'ai demandé, ça se passe. Tu te laves avec ça à 3 heures. Après, tu pars encore te coucher. La nature. Bain pour examen, là, je n'ai pas moi les astuces comme ça. Mes astuces sont payantes pour l'examen, le bain d'examen. Tu as compris? Il y a les produits que je te donne. Le truc avec vous, c'est quoi? Hein? Vous cherchez toujours, j'ai dit le sel, tu ne fais pas le sel. Tu ne fais pas l'urine. Tu veux maintenant pour l'examen. Vous n'aimez pas faire d'abord la base. Quand tu ne conçois pas la fondation de la maison, hein, peu importe combien tu vas mettre sur ça. Ça ne va pas donner. Et c'est ça votre problème. Vous voulez, quand je parle du sel, ah oui, oui, bon, oui. Bon. Sel, c'est sel, pardon. Vous commencez par dire que le gros sel, le petit sel, le ceci sel. Tu as le sel dans ta cuisine aujourd'hui, là, non. Ta femme ne peut pas avec quoi?
Parfois, vous avez des fausses questions, des faux blocages. En fait, ce sont des excuses. Ne faites même pas, vous avez suivi. Ne faites pas. Parce que vous aimez toujours que quelqu'un soit au contrôle de votre vie. On te dit ce que toi-même tu peux faire pour te détacher seul d'abord. Tu dis non. Vois-moi, dis-moi. Vois-moi. Quand tu finis de laver avec le sel ou avec l'urine, tu ne te rinces pas. Tu laisses ça sèche seul. Après, tu vas te coucher encore, tu dors. Tu mets un peu le parfum sur toi parce qu'il ne faut pas que tu sentes le pipi à côté de ton mari. Après, tu vas te coucher encore, tu dors. Donc, il y a des règles de base que vous devez observer pour cette année 2023. Premièrement, tu ne blagues pas avec ton côté spirituel. Deuxièmement, tu dois apprendre. Tu dois apprendre à nouveau à commencer ton salaka. Le salaka, c'est l'action de chaque mois de ton argent qui entre dans ta main. Tu dois prendre une partie, tu donnes à d'autres personnes. Ça peut être les orphelins, ça peut être. Je rappelle que l'argent que tu donnes à tes parents et à tes enfants, c'est différent. Donc ne dites pas que, comme j'ai donné l'argent à mes parents, je sais pas là mon salaka. Non. Tu sais pas comment, tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas, parfois tu fais. Parfois plusieurs semaines sans, tu fais des semaines sans me suivre. Après tu recommences, tu fais des astuces, tu rechanges le changement, après tu abandonnes. Ah ma chérie, tu n'as pas encore assez souffert, non? Eh ma chérie. Moi, je dis que la vie est simple. Hein. Tant que tu n'as pas encore souffert, jusqu'à dire que c'est bon, c'est bon. Souffrance, sors de chez moi. Ton bailleur ne t'a pas encore humilié. Ta famille ne t'a pas encore moqué de toi. Et toi, voilà, à 45 ans, tu dois encore chez ta petite soeur. Non, non, ne t'a pas encore humilié, ma chérie. Quand il dit fais le lavage, ne te lave pas avec le sel. Va souffrir. Tu as compris? C'est ça qui me plaît, en fait, parce que Dieu a donné le libre arbitre à chacun. Ismaël, tu demandes si un homme peut faire le bain de pipi. Quand j'ai dit de pisser là, est-ce que j'ai donné la position pour pisser? Est-ce que j'ai dit que tu te courbes, tu pisses? J'ai dit que tu prends l'urine du matin, non? Tu veux maintenant me demander si un homme peut faire ça, pourquoi? Avec vos bêtes questions là. Un homme peut-il faire le bain d'urine? J'ai dit bain d'urine pour femme. J'ai dit que bain d'urine, les urines qu'on a, on s'est courbé avant de recueillir. Bonjour, zone interdite. Vous-même là, vous exagérez. Ah. Donc, j'ai parlé du salaka. Voilà décembre. Voilà décembre. Même si c'est 2000, il y a beaucoup d'entre vous, les hommes surtout, vous êtes bloqués parce que vous n'aidez pas vos enfants. Tu es là comme ça, ton enfant est là-bas, il souffre. Je n'ai pas l'argent. Tu vas aller donner l'habit de Bénon. Tu vas acheter l'habit à Bénon. Pour sortir avec Bénon le 20, combien là? Tu vas lui donner combien? Tu négliges ton enfant. Là, tu négliges ton enfant. J'ai beaucoup de personnes que j'ai observées comme ça. Il néglige son enfant et ses choses ne marchent pas. Après, il va se plaindre. Même si c'est 1000 francs, envoie à la grand-mère de ton enfant, c'est-à-dire la mère de ton enfant là, qui s'occupe de ton enfant. Elle vend les tomates pour s'occuper de ta fille. Pas même 2000, tu dis, maman, c'est fort sur moi. Maman, débrouille-toi avec les 2000 si. La mère, elle va comprendre. Pas les petits manques de respect que vous faites là. Est-ce que j'ai l'argent? J'ai même d'abord. On voit ta montre de 20 000. C'est comme ça que vous attirez la malédiction sur vous-même, vous-même. Je
peux dire ça parce que j'ai un cousin comme ça. Son premier enfant, sa mère a dit qu'elle va s'occuper de l'enfant. Deuxième enfant, je le force, il dit, mais tu as 30 ans, tu peux aller. Parfois, je reste censé, ils vont lui donner l'argent. Je lui dis, tu as envoyé l'argent à l'enfant. Est-ce que j'ai? Il faut voir comment il s'habille. S'apologie. C'est comme ça que ta vie va toujours tourner. Ta vie, on va te donner l'argent, tu vas rien faire avec. Donc, le spirituel, c'est pour ça que vous voyez souvent les gens, ils ne sont pas, ils se lavent pas avec le sel. Non, non, non. Mais c'est quelqu'un qu'à Noël, comme ça, là, il a au moins 50 familles qui dépendent de lui. Il a au moins 50 familles. Il les aide, il les aide. Et celui qui est chiche, généralement, il n'a pas beaucoup. Et 2023, tu dois aussi te décider que c'est l'année où tu vas devenir indépendant. Beaucoup d'entre vous dépendent encore des gens. Tu vis chez ta soeur, tu es contente. Moi, j'ai le loyer de 300 euros que tu ne veux pas aller payer seul là. Tu vas en payer avec, de ta vie, au moins 5 ans de ta vie. Après, tu vas dire qu'elle t'exploite. Elle ne t'exploite pas. C'est du donnant, donner, ma chérie. Elle ne t'exploite pas. Tu crois que tu es sage, non? La sagesse va te servir, va te chosifier, tu vas voir. Je n'explique pas les rêves, experte digitale. Je n'expliquerai pas le rêve ici, là. Écoute ce que j'ai dit. Tu ne veux pas écouter, tu peux te déconnecter, maman. Oh, you are. Tu peux partir. Voilà. Je donne des choses clés que vous devez avoir. Ça doit devenir votre principe. Je ne dépends. 2023, je ne dépendrai plus des gens. Il y a des esprits qui bloquent vos finances pour que vous ne quittez pas la maison familiale. On dit que j'ai bloqué son argent. Parce qu'on sait que dans votre maison familiale, on a enterré les choses. Chaque jour, tu traverses, ça te bloque. Tu traverses, tu entres, tu te couches, tu dors. Tu traverses, tu sors, tu pars, tu sors. Le matin, ta vie n'avance pas. Tout ce que tu fais dans la journée, ça ne donne pas. On a bloqué tes parents. J'ai un esprit qui a parlé l'autre jour à travers une fille. Que j'ai bloqué sa mère. Je voulais tuer sa mère depuis, mais je dois d'abord la tuer, elle, la fille. Tu dois être déjà que même s'il faut sortir, aller dormir au sol. Tu pars dans les stations d'essence, la nuit, tu te couches, tu dors. Je vais sortir de la maison des gens cette année. Certains, vous voulez sortir de l'emploi. Tu dois décider que l'année 2023, c'est là. Ça sert à rien de dire que 2023 ne sera pas comme 2022. Tu dois avoir des points clés, tu dois avoir des décisions clés. Parce que si tu fais les mêmes choses que tu faisais l'année passée, certaines familles, vous, je peux dire au moins la moitié, c'est là vous n'économisez pas l'argent. Tu as décidé que 2023, je vais mettre de l'argent de côté. Je vais aussi rester en juin comme ça, je vais regarder mon compte, je vais voir 1 million de francs CFA. Que tu as économisé. Est-ce que vous savez qu'il y a des esprits qui vous empêchent d'économiser? Ou bien ton compte bancaire a un plafond que dès que ça atteint comme ça, là, pof, l'argent part. Dès que ça arrive, pouf, l'argent part. Observez vous-même votre vie. Dès que ton compte arrive à 3 000 euros, regarde tes relevés bancaires. Donc tu vas voir que ta balance n'a jamais dépassé 3 000 euros. Quand tu économises l'argent, je vous ai tout parlé de la dîme. Je sais que vous n'avez pas payé vos dîmes. La dîme, c'est 10%. Sors ta dîme, tu payes. Pour toi, tu as, ah, si c'est 5 millions, ça veut dire que 5 millions, je vais donner. Attends, 1 million, c'est combien? C'est 100 000. Ça veut dire que tu dois donner 500 000. Oh, c'est beaucoup. Il ne peut pas donner 500 000 à la fille là. 500 000. Non, non, non. Mais t'as payé pas ma dîme. Bêta, il ne paye pas ma dîme. Tes 5 millions là, que tu allais prendre à la banque,
ça va finir, tu ne vas rien. J'ai fait quoi avec l'argent là? Tu reviens encore, tu calcules. Mais attends, j'ai donné là-bas, j'ai fait comme ça. Je ne comprends pas. J'ai fait quoi avec les 5 millions là? Je vous donne des principes. Ce sont des principes spirituels. Un principe spirituel est différent de ce qu'on vous enseigne à l'église. Généralement, l'église vous enseigne la religion. Viens nettoyer l'église, le pasteur va te voir, ma chérie. Viens faire ceci, on va te voir. Je change de chargeur. Quand ceci à 2%, je mets sur l'autre. Après l'autre à 3%, je retire. Donc celui qui va s'éteindre, ça va s'éteindre aussi. Actuellement, ici c'est à 3%, ici c'est à 2%. À l'église, là, on vous enseigne quoi? Même le principe de la dîme, quand vous payez la dîme à l'église, est-ce que vous connaissez pourquoi vous payez? Est-ce qu'ils vous ont expliqué? Tu crois que tu payes la dîme pour faire plaisir au pasteur? Pour que le pasteur vienne toller sa maison? Et après, quand tu donnes, après un moment, tu te fâches, tu te fatigues. Tu te fatigues. Moi, je paye ma dîme depuis. Non. J'ai les vidéos sur la page qui expliquent tout ça. Je ne parle pas au hasard. Sur TikTok, j'ai des vidéos sur la dîme. Allez fouiller mes vidéos. Sur Facebook, allez sur YouTube, le même nom que sur Facebook, de Guy Diga Academy. Regardez, j'ai plein de vidéos. J'ai au moins 300 vidéos en ligne. Asseyez-vous, vous écoutez. Et si tu pars regarder les vidéos par la foi, en disant que Seigneur, montre-moi. Tu vas voir, quand tu vas cliquer sur une vidéo, le message qu'il y aura dedans, ce sera ton message. Ça, c'est aussi un autre truc. Il y a tellement de vidéos que moi, je ne vais même pas regarder. Ah, moi, il ne veut pas. Il faut qu'elle me dise une fois. Eden, pardon, je t'en prie, Eden. Je vois que tu es en train d'enseigner les gens ici, là. La dîme ne se donne pas sous deux formes. Tu vas faire ça, quelqu'un va... Pardon, je t'en prie. Fais ta page où tu vas expliquer. La dîme, on dit que tu peux donner sous plusieurs formes, là. Ça veut dire que tu vois, la personne va prendre une... Et quand je vous dis, la dîme, c'est 10%. 10% de ton revenu. Premièrement. 10 ou plus. Parce que quelqu'un sur TikTok ici qui est en train d'expliquer aux gens. Que ça peut se donner sous plusieurs formes. Il va porter un sac derrière, il va partir donner à sa grand-mère au village avec qui j'ai payé ma dîme. Pardon, je vous en prie. Deuxièmement, la dîme se retourne là où tu es nourri spirituellement. La dîme, c'est une forme de remerciement spirituel. En anglais, on dit acknowledgement. Je reconnais que mon inspiration. Dieu me parle, les ancêtres me parlent, mes anges me parlent. Je suis restauré à travers les enseignements que je reçois ici. Je sais qu'il y en a que vous divisez la dîme, vous pouvez donner à 5 endroits différents. Soyez vraiment très, très méticuleux là-dessus. La dîme doit se semer dans une terre fertile. Et pour payer ta dîme, tu vas tout demander à Dieu. Seigneur, voilà la dîme-ci. Je dois aller donner ça où? Où est l'endroit? Si c'est que ce n'est pas moi, elle va donner dans ton église. Mais ne viens pas écouter mes vidéos. Parce que le problème, le contraste que je vois souvent dans certains d'entre vous, tu viens, tu m'écoutes. Ce que je te dis, ça résonne. Mais c'est vrai. Maintenant, tu pars. Il y a une l'année passée, elle me disait, j'ai envie de quitter mon église. Tu penses que quoi? J'ai dit, ma chérie, tes choix doivent être les tiens. Toi et le Saint-Esprit. Parce que si tu fais ça, le jour où tu vas vouloir me quitter, tu vas encore aller demander à quelqu'un d'autre que je quitte la fille là. Moi, je ne suis pas sur ça. Ma grand-mère disait que moi, que c'est un nion. Je ne suis pas sur ça. Et ne viens pas payer ta dîme chez moi. Tu crois que quand tu vas payer la dîme, ok, comme j'ai donné 1 million, elle va me regarder maintenant. Elle va maintenant, je serai en priorité. Tu vas mentir. Oh, pam, tu as saoulé. Et te dit, tu vas envoyer ta dîme. J'ai expliqué comment vous devez faire la prière sur la dîme. Et ta dîme, Malachi chapitre 3, versets 10, 11 et 12. Seigneur, avec cette dîme, je te retourne 10% de mon revenu. Père, et où j'ouvre sur moi les écluses des cieux. J'enlève la malédiction sur moi, c'est ce que la Bible dit. J'appelle la bénédiction en abondance. J'enlève le dévoreur. Les appareils qui se gâtent à la maison, la voiture que tous les jours tu es au garage, ça, on ne range pas. Je peux vous dire le nombre de personnes qui m'ont donné le témoignage des dîmes. J'ai payé la dîme, j'ai eu la réduction pour ça. J'ai payé la dîme, on m'a donné ça. J'ai payé la dîme, on m'a fait ceci. Ça libère.
Ça te délivre. Et l'ennemi va vous attaquer sur la dîme parce qu'il connaît.